Ce déjeuner marque le retour d'une vieille tradition réunissant le gouvernement gabonais et les partenaires français. Son objectif, faire le point de la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs de l'économie. Vous aurez l'occasion aujourd'hui d'échanger avec des interlocuteurs qui ont la responsabilité de plusieurs milliers d'emplois au Gabon. Il était important pour ces entreprises d'entendre la parole du gouvernement dont vous avez la responsabilité sur les orientations, les objectifs et les attentes du Gabon. Plusieurs thématiques ont été passées en revue par le Conseil du commerce extérieur français et le gouvernement gabonais. Nous avons souhaité recevoir des éclairages sur 5 grands sujets qui paraissent importants et d'actualité pour toutes nos entreprises. Chacun de ces sujets sera proposé par l'un de nos membres à qui je donnerai la parole. Le Premier ministre gabonais a tenu à réaffirmer l'excellence des relations entre les deux pays. L'amitié entre le Gabon et la France est une amitié séculaire. Et chez nous au Gabon, les Bantous nous disons ceci, une amitié s'entretient. Elle s'entretient par le dialogue, par les visites. Et c'est ce dialogue que nous ouvrons aujourd'hui, 7 octobre, pour entretenir cette amitié séculaire. Le Gabon et la France entretiennent de très anciennes et excellentes relations. Cette rencontre entre les personnalités de deux pays visait également à faire le point de leur amitié, mais aussi d'entrevoir l'avenir ensemble.